Alors à Sumatra, on reçoit toutes les espèces de gibbons endémiques de Sumatra, notamment le siamang, ce très grand gibbon tout noir avec sa poche. Beaucoup de ces singes sont convoités comme animaux de compagnie. Donc le but aussi à Sumatra, c'est d'essayer de donner une deuxième chance à ces siamang, et on a la chance d'avoir un site de relâcher pour justement leur rendre la liberté. Et puis c'est aussi les sauver lorsqu'ils sont encore dans la forêt en achetant des parcelles de forêt. On a plus de 317 hectares aujourd'hui dans la province ouest de Sumatra qui appartiennent à Kalawet. Et l'objectif, c'est de continuer à acheter des terrains, notamment pour essayer de connecter notre réserve à une réserve forestière qui n'est pas très loin. Et ça ferait un vrai corridor pour permettre sur le long terme de protéger ces siamang et ces gibbons, mais aussi toutes les autres espèces présentes dans cette forêt, notamment le tigre.